Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation et de dégustation. Aujourd'hui, on est avec du vin. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien les vins avec des. Le vin en général, mais j'aime bien les bouteilles originales et celle-là me fait craquer. J'avais déjà fait une vidéo sur le vin rouge et là, ils ont sorti un blanc. Donc, c'est la Fiole, c'est un Côtes-du-Rhône. Sélectionné par Père Anselme 2018. Donc voici la bouteille. Vous avez le bouchon là-haut, l'étiquette. Il y a des armoiries ici qu'on retrouve ici. Voilà, ici là. Voilà. Et à l'arrière, on a une petite étiquette avec des explications. Bon, on va goûter ça. On va voir à quoi ça ressemble. Et surtout au niveau du goût, c'est bon ou pas. Donc normalement, voilà, c'est un bouchon standard en liège. Allez, on va ouvrir parce que là, on est pas arrivé, j'ai l'impression. Voilà, c'est pas simple. Voilà, on va remettre la bouteille là. On va vous montrer le bouchon. J'ai un peu destroy. Désolé. Donc voilà, on a un chouette bouchon standard avec les amaris mis en bouteille dans nos chais, comme tout souvent on le voit. Une bonne odeur. Allez, on va montrer ça. Voilà, c'est un bon vin. J'aime bien le vin blanc. J'aime bien en apéro en général. Voilà, regardez ça à la lumière, un peu plus à la lumière, on va dire. Voilà, il est bien transparent. Il a une belle couleur. Voilà. Peut-être mieux là, ouais. Voilà. Alors, au niveau de l'odeur, qu'est-ce qu'on a? Du parfum ou de l'odeur? Ça sent bon, c'est agréable. Ouais, c'est agréable. Moi, j'adore le vin blanc, surtout comme ça, pour le plaisir ou en apéro. Je sais pas regarder le degré d'alcool, il est à 13,5 degrés. Donc ça va, c'est correct pour du vin. Il est vraiment très très bon. Et comme je dis, j'aime bien la forme de la bouteille, elle est plutôt sympathique, c'est original, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Je pense que c'est lié au nom, parce que ça s'appelle la Fiole, donc il faut que ça corresponde. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas et abonnez-vous. Merci à vous. Ciao, bye.